Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien depuis la dernière fois. Donc, je vais vous parler aujourd'hui d'un test de produit que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps. Puis, je vais vous parler d'un site pour avoir des échantillons gratuits. Et donc, je vais aussi vous parler des deux crèmes que j'ai reçues en test de produit et vous donner mon avis et mon ressenti sur ces crèmes. Voilà, donc on va commencer par mon test de produit. Donc c'est par le site Betrousse. Donc c'est un site de test de produits et je crois aussi qu'ils vendent aussi des produits. J'ai été prise pour tester une crème. Donc là voilà. Donc cette crème c'est pour les jambes légères. Bon, c'est vrai que c'est plus pour l'été normalement, mais bon. Donc la marque c'est Secret de Miel. Donc en fait, je dois la tester pendant un mois et à partir de là, je donnerai mon ressenti sur cette crème. Alors en fait, elle est très très mentholée. Donc quand on la pose, on sent quand même une fraîcheur. C'est très agréable. Enfin, sur la main, on ne le sent pas trop, mais sur les jambes, j'ai déjà donc testé un petit peu la crème. On sent un effet de fraîcheur. Donc c'est d'origine naturelle et ça permet de tonifier le système veineux et d'améliorer la circulation et d'éviter la rétention d'eau. Donc appliquer chaque jour par massage des jambes de haut en bas. Voilà. Après j'ai reçu beaucoup d'échantillons. Alors c'est sur le site www.échantillon.com. Donc, vous pouvez aussi vous inscrire sur un site normal et aller sur Google et vous allez recevoir des mails. Mais généralement, c'est beaucoup plus facile de passer par Facebook. Donc, vous vous abonnez et comme ça, quand vous allez sur votre fil d'actualité, vous avez les tests à faire ou les concours. Donc, moi, j'ai reçu beaucoup d'échantillons de ce type. Donc ça c'est pour un parfum Cartier La Panthère. Donc, on reçoit une petite carte. Voilà. Et donc c'est parfumé. Je sais pas si. Ouais. Donc ça a la forme d'une panthère. Bon, c'est vrai qu'on ne peut pas vraiment tester l'échantillon puisque on le sent seulement. C'est comme quand on va chez Sephora, qu'on nous prend la petite baguette, qu'on met le parfum. Donc bon, je trouve que. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt ce genre d'échantillon puisqu'on ne peut pas vraiment essayer l'échantillon sur soi. C'est vrai que des fois le parfum on le sent et dès qu'on le met sur nous il vire complètement et donc là je trouve que c'est pas vraiment enfin c'est sans intérêt, c'est joli. Voilà. Après j'ai reçu deux échantillons. Ah, j'en ai perdu un. Donc sous cette forme, alors j'ai perdu l'emballage. Donc moi je trouve que c'est sympa puisqu'on peut le mettre dans le sac quand on part en voyage, prendre des risques de casser une bouteille qui vaut je ne sais combien. Donc là j'ai reçu Paco Rabanne, donc c'est le parfum Olympia. Donc bon il y avait un petit packaging avec, mais ça a été relativement rapide et c'est très souvent qu'on a ce genre d'échantillon, mais aussi malheureusement des échantillons comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc j'avais reçu aussi, mais je l'ai perdu. Et j'ai reçu aussi Chanel Amour Amour. Voilà. Donc toujours sous cette petite forme, vous voyez, j'ai déjà utilisé, j'ai bien aimé donc sous cette forme de petits sprays. J'ai vu qu'actuellement il y en avait à tester d'ailleurs. Donc allez vite sur ce site. J'ai eu aussi trois échantillons de la marque Sisley. Donc un fond de teint lissant anti-âge, encore l'anti-âge. Voilà. Et deux petits fonds de teint. Bon, c'est pareil, ce sent fin quand on part. Donc abricot. Et l'autre, c'est naturel.
Voilà, donc sur ce site. Donc avant de faire ma vidéo, j'ai été faire un petit tour pour voir ce qu'ils proposaient. Enfin, du moins, c'était sur mon fil d'actualité Facebook. Donc en ce moment, vous pouvez tout de suite y aller. Vous pouvez avoir 9 numéros gratuits du magazine Elle en vous inscrivant. Après, vous avez un ensemble crème, douche et masque de la marque Estederm. Donc là, par contre, attention, il y a des petites questions. Alors, il vaut mieux regarder un petit peu les produits avant et remplir le questionnaire. Mais généralement, on peut nous donner des indices. Et après, donc, il y a aussi plein de jeux, concours. Vous pouvez vraiment trouver de tout. Après, au niveau des tests de produits, je ne me suis pas inscrite parce que ça ne m'intéressait pas. Sur le site R&D, donc j'en avais parlé dans mes premières vidéos où là j'avais été beaucoup prise pour tester des produits. Donc là vous êtes ambassadrice, c'est-à-dire que vous ne recevez pas un échantillon mais vous recevez plusieurs échantillons. Et surtout un pour vous généralement qui est en grand format. Et des fois vous avez des petits échantillons à donner à vos invités, à ceux à qui vous voulez faire tester le produit, car vous êtes ambassadeur, donc vous devez remettre un échantillon et donner votre avis au site sur ce qu'ont pensé les gens. Donc là, bon, c'est pas très glamour. J'ai vu qu'il y avait donc le sopalin OK. Donc si vous voulez avoir du sopalin, bah, tentez votre chance. Je pense qu'il y a peu de gens qui se sont inscrits puisque je vois qu'il y a beaucoup de relances à ce sujet. Et sinon, les protections féminines Téna. Donc là, pareil, vous devez avoir deux gros paquets de protection plus après des petits sachets à distribuer à vos amis qui vont tester aussi avec vous les échantillons. Je voulais vous parler des deux crèmes que j'avais à tester. Donc j'avais eu une super crème de chez Lancôme qui coûte 83 ou 85 euros. Alors elle est assez. Donc c'est une crème de nuit. Donc l'aspect est assez particulier. Ça fait un petit peu. Vous voyez, ça fait un peu comme un gel. C'est vrai que la première fois que j'ai utilisé cette crème, j'ai pas vraiment apprécié. Alors vous avez une petite spatule comme ça. Voilà. J'aurais dû y penser plus tôt. Alors en odeur, bon, ça n'a pas vraiment d'odeur, mais c'est surtout, ça fait pas l'aspect crème. Ça fait vraiment, voyez, voilà. Donc il faut en mettre très peu. Moi la première fois j'en ai mis comme je mettais de la crème et j'ai dû prendre un sopalin pour tout enlever parce que tellement j'avais l'impression d'avoir. Ça fait pas de l'huile, on dirait de l'eau, mais voilà, comme si on mettait un gel. Sinon le matin par contre on a une peau, c'est super agréable, elle est douce. Il y a seulement ce système d'application. Bon, après un certain temps. On s'y habitue, mais sinon non, c'est une très bonne crème. Bon, c'est vrai que le prix c'était pas ce que je mettais. Moi j'étais surtout dans les crèmes de nuit, donc moi j'étais plutôt chez L'Oréal. Donc là c'est du haut de gamme Lancôme, mais donc assez satisfaite, surprise au début parce que vraiment je m'attendais pas à ce genre de crème. Mais vous voyez, maintenant, elle n'est pas encore tout à fait. Elle pénètre très difficilement. Mais ça donne un petit aspect de fraîcheur quand on la pose. Enfin, c'est particulier, c'est à tester si vous avez les moyens. Et elle est très efficace. Après, en crème de jour, j'ai eu donc de chez Garnier. Donc. C'est la crème miracle. Alors oui, c'est vrai que la crème de nuit de chez Lancôme, c'était chez le club des experts. Et la crème Garnier, alors là il faudrait revoir mes vidéos.
J'ai un trou, donc je vous mettrai en barre d'infos. Alors cette crème, c'est mon chouchou. En fait, donc c'est un soin anti-ride avec effet lifting immédiat. Elle a pas vraiment d'odeur. Bon, le packaging, c'est du plastique, hein. C'est pas comme chez L'Oréal où on a du verre. Bon, c'est vrai que Lancôme comme aussi, c'était du verre. Là, on a un packaging quand même qui est en plastique. Mais alors, par contre, dès qu'on... Donc, elle est... En plus, elle est un petit peu légèrement colorée. Enfin, on s'en rend pas compte, mais c'est vraiment très léger. Mais dès qu'on la pose, elle pénètre tout de suite. C'est radical. Et donc pas besoin d'attendre avant de mettre sa bébé crème ou quoi que ce soit. C'est pratiquement instantané et on a vraiment une bonne sensation sur la peau. Vraiment, et en plus je crois qu'elle n'est pas très chère, mais je vous la conseille. Elle est vraiment super. Garnier, j'avais jamais essayé, mais... Moi, vraiment, en test produit, j'ai aimé les deux. Hein, mais bon, c'est vrai qu'on n'est pas dans la même gamme de prix. Voilà, donc j'ai fini pour aujourd'hui. Donc, désolée, j'ai pas beaucoup d'adresses pour les tests de produits. Donc, je vous dis, donc chez les TRND, vous avez OK et Téna. Bon, peut-être que je vais tester, remarquez, on ne sait jamais, hein. Et donc, abonnez-vous donc sur échantillon.com. Pour avoir des petits échantillons, c'est toujours sympa d'essayer ces produits avant de les acheter. Voilà pour cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à bientôt et puis surtout, si vous aimez ma chaîne, n'oubliez pas de cliquer. Allez, je vous dis à bientôt. Au revoir.